Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette journée spéciale porte ouverte en droit, organisée par le département de droit de l'Institut des hautes études de Tunis. Depuis sa création en 1998, en fait, l'Institut a mis en place une politique de formation dynamique et multidisciplinaire basée sur la rigueur et l'excellence universitaire. En fait, afin d'assurer l'insertion des étudiants dans la vie active. L'Institut propose diverses formations en gestion, en finance, en comptabilité et en informatique, allant de la licence au parcours du master. Le département de droit offre également des formations de qualité en droit, de la licence au master aussi. Je passe d'ailleurs la parole au responsable du département de droit, pour ne pas dire au concepteur des programmes des licences et des masters en droit, pour en parler. Ensuite, aux responsables des deux importants clubs, club de droit humanitaire et club de droit des affaires. Par la suite, tous les participants peuvent poser des questions sur le parcours de la licence et des masters en droit. Merci. Merci de me donner la parole. Le département de droit propose une formation juridique globale et pluridisciplinaire basée sur deux ingrédients nécessaires qui sont la qualité de la formation et l'excellence universitaire. En droit, il y a deux parcours. Le parcours de la licence avec un tronc commun, c'est-à-dire on est en première année en droit, on fait première année, deuxième année et tronc commun, droit privé, droit public, et en troisième année, on fait la spécialité. Soit on choisit la licence droit public, soit on choisit la licence droit privé. Pour accéder au parcours de la licence, il faut impérativement avoir un bac. Pour le parcours de master, il y a également deux types de master, master droit des affaires, donc c'est du droit privé, et master droit humanitaire et droit de l'homme pour les publicistes. Les conditions d'accès sont bien évidemment une licence en droit. Les débouchés sont divers pour ceux qui font une licence en droit privé, concours d'avocat, huissier, notaire, juge, juriste d'entreprise. Pour ceux qui font le parcours de la licence en droit public, généralement pour faire carrière à l'international, c'est-à-dire diplomatie internationale, ministère des Affaires étrangères, les différents ministères des droits de l'homme, et de la défense. Pour réussir en droit, nous on essaye d'offrir le cadre de travail agréable, mais réussir en droit exige aussi certains ingrédients nécessaires, à savoir la curiosité intellectuelle et également la volonté de travail, et avoir bien sûr au quotidien un planning, je dirais, de travail méthodique pour assurer par la suite sa réussite. Donc voilà grosso modo pour le parcours de la licence en droit avec 2 années de tronc commun. Ensuite, licence droit public, droit privé, le choix se fait à partir de la troisième année et par la suite le master droit international humanitaire et droit de l'homme, ou bien le master droit des affaires. Sachant que tout cela, c'est un volet théorique qui est complété par un volet pratique, colloque, séminaire, simulation. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Oumaïma, qui est responsable du club que nous venons de mettre en place, le club des droits des affaires, pour en parler. Et par la suite, on donnera la parole également aux deux responsables du club de droit humanitaire, Mademoiselle Hajar et Monsieur Anan. Vous avez la parole, Oumaïma. Merci. Merci, M. Zani, de m'avoir donné cette chance pour expliquer comment s'est déroulée ma première année en licence droit français. En fait, vraiment, je voulais expliquer pourquoi je m'intéresse trop à cette filière. C'est parce qu'il s'agit d'une branche qui vraiment touche l'être humain et tout ce qui gravite autour de l'homme.
Elle ouvre aussi les portes à connaître les rapports à la société et aussi elle présente un ensemble des réponses qui concernent les nécessités de l'être humain, les nécessités soit personnelles, soit privées. Personnellement, elle a supprimé l'esprit rigide d'Eri où elle a changé donc la mentalité d'Eri. Donc, je deviens plus souple, plus sociable. Je m'intéresse à l'hajet, merhir, j'ai fixé plusieurs objectifs où la vision d'Eri est devenue plus large. Donc, avec Ali, je suis en charge de la branche de l'Eri. Ou بالحق نحب نركز على ديبارتمون دووا اللي هو في فاكولتي دي اش تونس علاش انا نرى ان ديبارتمون تاعنا سي ان ديبارتمون كي تري ديسيبليني بيان اورغانيزي علاش بيان اورغانيزي على خاطر سي غراس ا مسيو محمود نجم نراو اللي اون اي با ليميتي سور لو بلان اللي هو تيوريك او كونترير احنا الفورماسيون تاعنا الفاري انتر تيوريك اي براتيك زيد نجم نراو اللي لا بون اورغانيزاسيون في سور لو بلان كي تيوريك من الاول بديت بالامبلوا دو طون اذا ما دي ديتاي نحب نحكي عليهم مسيو على خاطر راهم يهموا على الاخر لي ستوديون لومبلوا دو طون مسيو محمود عمل لنا ان امبلوا اللي يمشي معنا احنا بويسكو دخلنا للدومين جديد مازالت الفيزيون فلو فيه مازلنا مانيش فاهمين انا بيرسونيلمون جي تي سيانتيفيك دونك مانيش عارفه اسكو جي في لو بون شوا ولا لا لومبلوا ان فيت مسيو محمود il nous a vidé donc l'après-midi on خلينا نقراو في الماتيني والحاجة هي اللي عاونتنا انا بيرسونيلمون عاونتني باش نعمل ريفيزيون 3 جور 3 اور بار جور و فريمون هذه هي الحاجة عاونتني زيدا بور سوفي لو بروميير سيمستر الحاجة الثانية اللي نحب نقولها اللي نحس اللي لي زونسيون فريمون ديما يعاونونا ايل نو زونكوراج باش نقعدوا موتيفي باش نقراو باش نقعدوا ديما كوريو باش نعرفوا حاجات جدد دونك ديما نحس فما كونتاكت ما بين انسيون اي ايتوديون بعمري لا سالت حاجه و جي با تروفي اون ريبونس او كونترير ديما نلقى لي ريبونس ديما يعطيونا دي زيكزامبل اللي موجودين في الجي اكطويل نتاعنا باش نعملوا اون ليزون انتر براتيك اي تيوريك و ديما نحاولوا نقربوا للجي اللي احنا قاعدين نشوفوا فيها خاطر اللي يقراو قانون جينيرالمون يراو اللي معناها اللي نقراوه بعيد شويه على الحاجه اللي نعيشوها اما احنا بالحق سي غراس ا نو زونسيون ديما خاليو فما ليزون هيديا باش نجمو احنا زيده نعرفو كيفاش اون اناليز لي شوز باغ اكزومبل ان كونساي انا خديتو من عند مسيو محمود وديما قعد في بالي اللي راهو دووا نو سينيفي با ابروندر بار كور لي زارتيكل و لي كود و نقعدو لي تيكست جوريديك نقراوهم برشا مرات لي سي با سا فريمون il faut savoir comment analyser situation اللي قدامك زيدا لازم نتعلمو كيفاش اون رياجي في البي كوتيديان نتاعنا وهذه اهم حاجه نحس روحي ربحتها دونك انا لهنا حكيت غروسو مودو على الكوتي اللي هو تيوريك في ديبارتمون دووا نتاع فاكولتي اي اش تونس توا جوست باش نحكي على الكوتي اللي هو براتيك واللي هو فريمون اورغانيزي بار مسيو محمود كي نو سيس جامي ان نو دوفرير دي اوبورتونيتي بوسيبل بور فريمون اميليوري فورماسيون هذيا ونكونو توجور برانشي وتوجور هكايا عندنا الديناميك معناها انا الحقيقه كتبت ليكولوج لي سيمولاسيون اللي مشينا لهم بديت الحكايه لو 24 اكتوبر 2019 مشينا الكونفرنس دو جوريديكسيون ريجيونال اي سو ريجيونال اون افريك نتفكرها هذيا مشينا في سيونس جوريديك وزيد تعاملت سور لو ميم سوجي في لاك في لوتيل موفامبيك بعديك مشينا le 25 novembre monsieur Mahmoud a invité le prix Nobel du paix qui nous a présenté un film sur les armes qui sont nucléaires ou بعديك حلوا un petit débat avec les étudiants اللي عندهم des questions يحبوا يزيدوا يسالوا انا personnellement عندي فكره على les armes nucléaires اما اللي ما عنديش على الفكره les effets secondaires اللي عملوه ما عنديش فكره على les conséquences Ou le film, c'était un film documentaire. Ali Jiboufi, Harbed, Ash, ou l'expérience est déjà ouverte à parler. Donc, بالحق, j'ai pris des notes. Ou t'as un peu ce sujet là. نجم نحكي فيه ونجم نعطي فيه plus العبيد اللي يستحقوا الحاجة هذيا.
La même semaine, le 26 ou le 27, on a assisté avec monsieur à un colloque sur le principe de la libre administration de collectivités territoriales. La حاجة هذه vraiment حاجة طيارة برشا علاش على خاطر en fait احنا نقراو droit constitutionnel في droit constitutionnel البارتي الاولانية قرينا على les collectivités territoriales لهنا حسيت اللي monsieur هزنا باش ناخذوا on dirait une petite formation على حاجة ديجا عندنا عليها une idée générale ما مشيناش ظلين ما مشيناش ما نعرفوا حتى شيء au contraire كانت بالنسبة ليا formation خذيت دي نوت زيادة على خاطر الحاجة هذه تنجم تعاوني في الافونير تنجم يجيني سوجي ونلقى ما نحكي عليه خاطر اون فيت لي كونفيرونس اللي نمشيولهم مش باش نقعدوا نتفرجوا مش باش نقعدوا معناها هكاك نشوفوا في عباد جدد لي او كونتخيغ لازم نستغلوا لو ماكسيموم وبيسكو احنا اون بروميير اني انا جون سوي سارتين كي نجينا في فاكولتي اخرى ماهيش باش تجينا الفرصه هذيا باش نحكيو الحاجات كي باش نعملوا دي سورتي كيما هكا على خاطر لي فاكولتي جينيرالمون يمشيو يخدموا على البلان اللي هو تيوريك اما البراتيك يقول لك انت معناها tu assumes la responsabilité انت اللي تختار انت اللي تخدم على حياتك اما لهنا نحس روحي بيان ايكيبي موجوده افيك دي زونسيون اللي هما يلزوني معناها باش نختار لو بون شومان باش نحكي زيادة على السيمولاسيون اللي صارت لو 14 و لو 15 ديسمبر هذايا سي اون سي اون تري بيل اكسبيريونس بالنسبة ليا علاش هي سيمولاسيون دو لونيو ساعة اخترت التيم اللي هو كي كونسيرن لي ميرسونير الحقيقة جاو برشا عباد دي انترناسيونو جاو عباد من فلسطين من سوريا عملنا un débat, chaque étudiant a représenté un état, a fait des arguments, a fait des paroles blé des vies qu'elle a choisi, ou vraiment tellement fin échange des informations, ma خلطناش نكملوا في الوقت قعدنا نحكيوا وقعد كل واحد يدافع على البلاد اللي هو اختارها وكل واحد يحاول يقنع العبد اللي قدامه اللي هو صحيح دونك انا عجبتني على الاخر بيرسونيلمون ونشجع اي عبد باش يعمل حاجات هذوما على خاطر هذيا كانت لي ريزون ديريكت باش نحب ديما نكون ديناميك ديما نعمل حاجات كيما هكا ديما نخرج في دي سورتي الحقيقه عاونتني زاده في الديفلوبمون بيرسونيل نتاعي انا كنت كي سيرتيميد ما نجمش نحكي قدام العباد نلقى دي لاكون اما توا نحس اللي ميم البيرسوناليتي نتاعي تبدلت وبالحق مسيو محمود جو ريميرسي تو لي زونسيون بي فما برشا حاجات اخرين فما اكسبيريونس اخرى زيد عجبتنا على الاخر اللي هي في السياج في السياج نتاع لا كروا روج اي بي ان فيت سيتي اون سورتي اللي هي ادريسي سورتو لجماعه الماستر اللي عاملين دروا هيومانيتير اما مسيو محمود قال لي ايجا والحقيقه مشيت وما كانتش عندي اون ايدي انا ماشي علاش ولا شنو باش نعمل اما نحس روحي عرفت برشا حاجات ساعه اول حاجه خذينا دي زوفراج اللي هما خذينا هذايا ليسونسييل دو دووا انترناسيونال نتاع لا كوا روج خذينا زيد لي برينسيپ فوندامونتو نتاع الموفمون هذايا خذينا لا ديليغاسيون هذايا ريجيونال و تروس تونس هذايا معناها باش يوري اللي الموفمون الي انترناسيونال اللي يخص لافريك ويخص لوروب Ou Hevea, c'est un livre à lifier des détails en ce qui concerne le mouvement Hevea. L'article est nommé Je fais le droit humanitaire. Ama, quelle est l'expérience? Ama, tu as une petite introduction. L'âme j'ai, puisque je suis en train de deuxième année. Donc, les notes à l'écrit sont minées, je m'en ai à l'écrit. Araf, c'est d'abid mes master. و بالحق انا الحقيقه جو سوي تري موتيفي باش نكمل معناها باش نكون برانشي باش نكون ديناميك باش نشارك في حاجات كيما هكايا على الاخر سورتو مع مسيو محمود بيسكو حكيت على الحاجات اللي صاروا في العام هذايا جي لونور على الاخر باش نحكي على الكلوب دو روا دي زافير اللي معناها كي تي كريي مع مسيو محمود عنده شهر التالي ان فيت لو كلوب هذايا il donc il s'adresse à tous les étudiants اللي يحبوا يعملوا كارير dans le domaine des affaires donc l'objectif نتاعو هو de se faire réunir des étudiants ينجموا معناها pour poser des questions pour débattre des sujets qui concernent le monde des affaires ينجموا زيد كان عندهم دي نوفوتي يصير ان échange d'informations et bien باش تصير الحكايه لا réunion تكون réalisée chaque mois وزيد حاجه اخرى خاطرها تنجم تكون une phase de reconnaissance pour les étudiants
باش يتعرفوا على بعضهم باش انا بيرسونيلمون ملي سورتي عرفت برشا عباد على خاطر لي سورتي هذوما ما كانوش معناها حاجه جوست اوفيرت باش بور لي ستوديون تاع لي لاشو تونس بالعكس عرفت عباد من سيون جوريديك عرفت عباد من الكامبوس عرفت دي انترناسيونال وعرفت زيد عباد ماهمش تونس اصلا جاو حتى من لي فاكولتي تاع البزنس انا نعرف تونسيا Tunisian Business School, j'ai mené TBS, j'ai mené Abed de simulation. Ou l'avantage des simulations, c'est que Mars, quand on a des ouvrages, on a des ouvrages, on a des déclarations universelles des droits de l'homme, ou Krita, ou Hajamzien, ou Bacha, ou Krita, la charte des Nations Unies, ou Alimit Akdab, Shtaouni, l'OMG. Le club de droit des affaires, je vais vous dire Akhtar, هو الكلوب راهو جينيرالمون اللي باش يسمع باش يقول ليهم جماعه الماستر اللي اختاروا البرونش هذايا امالي انا جو سوي اون بروميير اني باش نعمل دووا بوبليك ومالغري سا ما خممتش مرتين باش نقول مسيو اي راني نحب نكون ممبر فيه علاش على خاطر ديما فما باش يكونوا فيه نوفوتي ديما باش تكون فما فرصه باش يصير ديفلوبمون للعبد ديفلوبمون بيرسونيل حتى كان ما ناخذوش برشا انفورماسيون رانا باش ناخذوا شويه وديما فما فايده انا ما نراش اللي العبد يحضر في حاجات هكايا وما ياخذش فايده ما يستفيدش بحاجه دونك انا نشجع على الاخر ديجا فما كونفرنس باش تصير في دونك لا رونتري بروشين باش تكون معناها سا كونسيرن لي زونتربريز اللي هما مولتي ناسيونال باش تكون على لي زونتربريز اللي هما مولتي ناسيونال وباش يصير زيد pardon, et nous sommes sous l'appui avec notre chef de département de conclure des partenariats avec des organisations à l'Iroma international. Par exemple, on a Rotary Club International, on a l'Académie africaine de Paris et l'Organisation africaine pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Donc, on a besoin de plusieurs diplômes ou diplômes et un CV ou CV. قد ما يكبر قد ما يكونوا عندنا دي زوبورتونيتي كسوا في تونس الجماعه اللي باش يعملوا دروا بريفي وكسوا معناها في ايشيل انترناسيونال الجماعه اللي خموا يعملوا دروا بوبليك كيفي انا بي ان سكي كونسيرن لو كلوب دو دروا هيومانيتير جوست باش نقول حاجه صغيره خاطر نو سوم اوغو فريمون دانونسي لا نيسونس دو ريفيو دي ستوديون اللي هما ابلي افنير كي سورتيرا ان سبتمبر هذايا يخص لي ستوديون كي سانتيريس فريمون باش يكتبوا دي ارتيكل على الموند دي افير باش يكتبوا حاجات جديده كسوا راهو ان افريك والا زيدا في الاوروب ديما كان عندهم حاجه جديده كان فريمون دوي بار ليكريتور يحبوا يعملوا حاجه ينجموا اي بوف ايكرير دي ارتيكل وباش يكونوا افيشي في الفاكولتي نتاعنا باش يقراوهم لي ستوديون تاع دروا ينجموا يقراوهم دي ستوديون زيدا بزنس انتيليجنس ينجموا يقراوهم دي ستوديون دانفورماتيك اي جيستيون معناها الحكايه ماهيش ليميتي ديما الحاجه اللي نعملوها تنجم توصل كسوا العباد اللي انتوري بينا كسوا زيدا لي برونش اخرين وما ننساوش اللي دومين نتاعنا راهو يمشي معناها ديزون يباس بارتو على خاطر نجمو زيدا ندخلو بيه في الدومين نتاع الجيستيون كيما في لي زونتربريز باغ اكزومبل لي سوسيتي نجمو في دومين ندخلو في حاجات كيما هكايا دونك انا جونكوراج العباد الكل اللي يخموا باش يجيو الفاكولتي بالحق راهو فيها افونتاج كبير على الاخر على الاخر على الاخر انا ما تيباليش بالحاجه هذي من الاول اما من بعديك كي ريت لا ديفيرونس ما بيناتي انا وما بينات صحابي اللي يقراو في دي زوتر فاكولتي يونيفرسيتي اللي هما بريفي حسيت بالقيمه نتاع ديبارتمون هذايا دونك بالحق اتو كي سويت معناها باش يدخلوا للديبارتمون هذايا سون كورديالمون انفيتي ان نو روجواندر Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame aussi. Manisha, au club, je vais donner la parole. Merci, Omeima, pour votre témoignage et pour votre point de vue sur le volet court et sur le volet pratique. On va donner la parole sans plus tarder au responsable du club droit humanitaire, à Hajer Trichy, qui va parler un peu en français, ensuite à Anan, qui va parler en arabe. On est encore dans le temps, hein, on n'a que 20 minutes. Donc, on vous laisse le temps de parler pour l'essentiel, parce que par la suite, j'aimerais revenir, moi, sur un peu, de manière plus claire et plus précise, sur les deux parcours.
Vous avez la parole, Hège. Hège, t'es ma fille? Anen, n'abdou bik, t'es ma fille? Anen, le kelly malik. Le kelly malik, t'fadda. السلام عليكم. أعرفكم بنفسي أولاً. اسمي عنان محاميد. أدرس قسم الحقوق في جامعة الدراسات العليا بتونس. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أتمنى أن تكونوا جميعاً بخير في ظل هذه الظروف، وأبعد الله عنا وعنكم هذا الوباء. أشكر من أتاح لي الفرصة للتواجد معكم اليوم، وأشكر إدارة الجامعة وكوادرها على دعمهم الدائم للتميز. شكر موصول ايضا لرئيس قسمنا على تشجيعه المتواصل لنا. اسمحوا لي بهذه المناسبه ان اعرفكم بنادي القانون الدولي الانساني في الجامعه. تاسيسه ونشاطاته وما يوفره لطلبه القانون عامه من دعم وتكوين. تاسس نادي القانون الدولي الانساني منذ اكثر من 4 شهور بمبادره من رئيس القسم وتشجيعه. والهدف منه هو التعريف بالقانون الدولي الانساني وأن يكون منتدى لمناقشة الطلاب المهتمين بالقانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني. قسم القانون بجامعة الدراسات العليا وبفضل تطوع مديره هو القسم الوحيد الذي يوفر للطلاب فرصة تكوين وإطراء مسارهم بفضل ما ينظمه من عمليات محاكاة ومرافعات قانونية وندوات بمختلف التخصصات القانونية. يسعدنا أيضا بهذه المناسبة أن نعلن عن بعث مجلة قسم القانون التي سيطلق عليها اسم مستقبل والتي سيتم إصدارها في سبتمبر 2020. الطلاب المهتمون بكتابة المقالات في القانون في مجال القانون الدولي الإنساني في إفريقيا والعالم يمكنهم الانضمام إلينا ومشاركة مقالاتهم التي ستنشر في هذه المجلة. أما عن النشاطات التي قمنا بها، فلقد شاركنا بالفعل في تنظيم مرافعة قانونية بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في فلسطين. قمنا أيضا بعمل ندوة حول الآثار الإنسانية للأسلحة النووية مع متحصل على جائزة نوبل للسلام عام 2018. إضافة إلى العديد من الندوات في مجالات مختلفة وتخصصات مختلفة في القانون. محاكاة لمنظمة الأمم المتحدة. والعديد من الأنشطة المشابهة التي سنقوم بها في برنامج النادي في العودة الجامعية القادمة. أيضا عند العودة القادمة للجامعة سننظم تدريبا للإسعافات الأولية بمساعدة الصليب الأحمر الدولي. نقوم أيضا بعقد اجتماعات دورية كل شهر لمناقشة هذه الأنشطة وفعاليتها على وتأثيرها على طلبة القانون. إضافة إلى الكثير من النشاطات والندوات والمسابقات التي تساعد على تكوين وتشجيع طلبة الحقوق. وفي الختام أرجو أن تكونوا من المستفيدين وأشكركم جزيل الشكر. شكرا عنان. Je ne sais pas si Hajar peut parler ou non. Je ne sais pas si Hajar a le montant. Apparemment, je pense qu'elle a un problème. Donc, je vais essayer, moi, un peu de résumer ce que Anan a dit. Le club de droit humanitaire, puisque nous, on a voulu qu'il n'y ait pas que de la branche francophone, mais aussi arabophone. Donc, le club de droit international humanitaire, en partenariat aussi avec le comité international de la Croix-Rouge, son objectif est diffuser le droit international humanitaire et justement est de participer à divers séminaires et colloques concernant le droit international humanitaire et même des concours nationaux. Et ce qu'il a dit Anan à partir de septembre prochain, et comme elle a dit Omaima, il y aura une revue dédiée exclusivement pour les étudiants du département de droit qui va s'appeler « Revue Avenir ». En arabe, c'est Mustaqbel, et chaque étudiant, que ce soit dans la filière arabophone ou francophone, peut contribuer par des articles, et d'autant plus qu'on va faire ce qu'on appelle
une formation pour les premiers secours. Pour ceux qui souhaiteraient déjà s'inscrire, il est le bienvenu. Ça va se faire avec la Croix-Rouge à partir de septembre prochain. Donc, je reviens. Merci à tout le monde. Donc, on va rester ensemble peut-être aussi à Jezia. Merci aussi. Peut-être il y aura des questions d'autres étudiants qui sont avec nous. On pourrait y répondre. En fait, le département de droit, comme je l'ai dit. On a deux questions, en fait. Pardon ? On a deux questions. Oui, Jezia. Oui, on a. Je vais terminer ça. D'accord. Je vais tout. Non, c'est bon. Je vais répondre et ensuite je reviens, Jezia. D'accord. Je vais répondre. Merci, madame. Merci, madame Hella, pour cette question. Quelle est la différence entre le master droit des affaires et droit humanitaire? Droit des affaires, c'est un domaine qui est lié juste pour faire plus du droit privé. Donc, quand on dit droit des affaires, ça inclut l'arbitrage, ça inclut l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ça inclut des entreprises. Donc, je peux être juriste d'affaires dans une entreprise, conseiller juridique. Par contre, le droit international humanitaire, c'est plutôt tout ce qui est cause humanitaire, droit de l'homme, assistance humanitaire, c'est la Croix-Rouge internationale. Mais ceci ne veut pas dire que, c'est une bonne question, pourquoi ? Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a fait licence droit privé ne puisse pas faire droit humanitaire. On a vu, on a deux promotions en droit humanitaire cette année, et parmi eux, il y a des étudiants qui étaient privatistes, ils ont choisi de faire droit humanitaire. Pas assez large, mais c'est vrai que les opportunités de travail sont énormes, d'autant plus avec les ONG, les organisations non gouvernementales en Tunisie et ailleurs, ils nous sollicitent. D'ailleurs, dernièrement, on était les seuls comme institut où on a fait avec, on a déjà affiché ce site et je remercie tout le staff informatique, Esma et Dalel, puisqu'ils l'ont reformulé, puisqu'il y a le concours en arabe qui a été fait par la Croix-Rouge internationale pour ceux qui voudraient faire des dissertations ou des écrits sur le Covid. Et comme ça, ils vont envoyer ça le 25 juillet et ensuite on choisira les meilleurs textes et il y aura des prix allant de $700 jusqu'à $1500. Et la deuxième question, Jezia, est-ce qu'il y a une deuxième question? Oui, il y a une deuxième question de Madame Rada. Quelles sont les conditions d'admission au master professionnel droit des affaires? C'est une bonne question. J'allais revenir. Alors, pour être en master droit des affaires, il faut, ou droit humanitaire, hein, les deux, il faudra impérativement une licence en droit. Une licence en droit ou un diplôme équivalent. Donc, par la suite, pour l'équivalence, on peut voir si la personne elle a déjà eu en licence quelques matières en relations internationales, etc., on peut l'accepter en matière droit humanitaire ou en droit des affaires. Mais une licence est obligatoire pour justement avoir, pour accéder au master. Il y a aussi un entretien. Hein. Donc, il ne suffit pas d'avoir juste la licence. Il y a la licence. Il faut avoir aussi, pendant les 3 ans de cursus de licence, il faut avoir au moins une moyenne générale de 12 de moyens. Et ensuite, il y a un entretien et il y a aussi un test d'admission, que ce soit pour le master droit des affaires ou droit humanitaire. Parce que nous, notre objectif in fine, c'est de former réellement les gens. Quand ils sortent avec le diplôme IHE, ils vont être nos ambassadeurs ou nos ambassadrices. Le bonheur pour nous, comme pour les parents, c'est qu'ils soient, qu'ils s'insèrent professionnellement. Et on a des gens, hein. Je peux vous l'affirmer, on a des personnes qui étaient avec nous, ils ont fait des licences, que ce soit de la RDC ou d'autres pays africains. Maintenant, ils travaillent, hein, ils travaillent dans leur propre pays, ils ont fait monter même leur propre entreprise. Et voilà la réussite. Parce que j'ai dit, toujours, je répète, la clé de la réussite, c'est aussi la volonté de travail et il y a aussi, je dirais, l'amour. Ça vient du cœur. On est là, nous, pour offrir le cadre de travail propice, agréable, sur tous les points, que ce soit le volet pédagogique ou le volet aussi administratif. Et je tiens aussi à saluer et remercier le travail remarquable aussi qui est fait
par tous mes camarades de l'administration. Chaque fois qu'on a des questions, des interrogations, on essaye tout de suite d'y répondre et donner l'information nécessaire. Et c'est ça aussi ce qui fait le distinguo entre l'IHE et les autres universités. On ne laisse pas les gens venir comme ça. Et généralement, c'est tout simplement ce que nous disons, nous le faisons. Parce qu'il nous intéresse, nous, in fine, c'est quand vous aurez le diplôme, c'est ça aussi la valeur ajoutée. Vous serez notre ambassadeur ou ambassadrice et vous travaillez. C'est ça aussi l'objectif dès la première année, la deuxième année, troisième année. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jezia? Oui, celle de M. Yes. Quels sont les critères de choix entre droit public et droit privé? Merci, Ilyes. C'est une très bonne question. Pourquoi c'est une très bonne question? Parce qu'à l'IHE, avec la nouvelle mouture de la licence exigée par la tutelle, c'est que maintenant, il y a trois tronc communs. C'est plus comme auparavant, licence droit privé, droit public. Maintenant, c'est une licence en droit avec deux années de tronc commun, c'est-à-dire l'étudiant va avoir des volets de cours droit privé et droit public. Et c'est intéressant, il va marier le volet privé-public et quand il va arriver en deuxième année, il a réussi la deuxième année, avant d'aller en troisième année, il va se sentir à l'aise. C'est-à-dire, est-ce que je veux faire des matières de droit privé, comme par exemple le droit pénal, droit civil, droit commercial, ou faire des matières de droit public, comme le droit international, le droit interstitial de la mer, le droit de l'environnement. Et ça, c'est ça ce qui est intéressant, les deux années, tronc commun, ça va permettre à l'étudiant de se situer. Ça, c'est le volet théorique qui va aussi le renforcer par le volet pratique, par la simulation. Et ce qu'on a fait, nous, d'ailleurs, par rapport à d'autres universités, n'existe pas, la plaidoirie orale, en donnant des exercices, des cas pratiques en droit privé et droit public. En deuxième année, avant d'aller en troisième année, ils choisissent soit droit public, soit droit privé. Sachant pertinemment, parce que la question est intéressante, je le reprécise, parce que parfois on l'oublie, celui qui fait licence droit privé ou droit public, il a le droit par la suite de faire le concours d'avocat ou juge. Pour le concours d'avocat ou de juge en Tunisie, on peut le faire avec une licence en droit privé ou public. Ça pose pas un problème. Le problème, c'est après, quand on veut faire un master, master droit des affaires ou master droit international humanitaire et droit de l'homme. Et je peux vous assurer, d'ailleurs, on va l'afficher cette semaine. Je viens de la voir et on va l'afficher demain. La Croix-Rouge internationale, la section de Paris, vient nous faire parvenir une offre de stage pour des étudiants. Ils vont prendre un seul étudiant avec 950 euros du mois de juin 2020 jusqu'au mois de septembre 2020. Je vois une autre question. En outre, des organisations telles que l'ONU, quels sont les secteurs d'activité, les métiers visés par ce diplôme de master? Merci Ziad, c'est une très bonne question. Alors, pour le master droit des affaires, les opportunités sont diverses. Vous avez juriste d'affaires dans une entreprise, conseiller d'une ambassade dans le domaine commercial, puisque vous savez, dans les ambassades et les consulats, surtout les ambassades, on a une branche économique, commerce international. Ça peut être conseiller en droit des affaires, ça peut être aussi un juriste d'affaires, c'est-à-dire qui va conseiller certaines entreprises nationales ou internationales, et aussi certains ministères comme le ministère du commerce, ça peut aussi les intéresser. Et il y a des étudiants qui ont été recrutés, une entreprise pétrolière qui est connue chez nous en Tunisie, l'ETAP. On a déjà des stagiaires là-bas qui cherchent aussi des juristes. Pour le master droit international humanitaire et droit de l'homme, c'est plus intéressant. Depuis qu'il y a les ONG, à part qu'on travaille avec l'ONU, il y a le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU ici qui cherche des étudiants spécialisés en droit de l'homme. Il y a le ministère de la Défense pour le droit humanitaire. Il y a le ministère des droits de l'homme pour le droit de l'homme. Et il y a aussi eux-mêmes ouvrir un bureau de conseil en droit international. Il y a le PNUD aussi, le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui cherche des étudiants ayant fait le droit humanitaire ou les droits de l'homme, parce qu'il y a des projets sur le terrain qui vont intéresser beaucoup d'étudiants. Donc, les opportunités existent, mais c'est pour cette raison que je répète ici à l'IHE, dès la première année, on essaie justement sur le plan pédagogique,
parce que la première année est importante pour un étudiant, on a en fait une immense responsabilité, double responsabilité par rapport aux étudiants qui s'inscrivent et nous font confiance, et aussi une responsabilité par rapport aux parents, parce qu'il y a des attentes. Et nous, tout notre bonheur, c'est cette qualité de formation dès la première année, mais quand il sort en troisième année, il fait un master, il est notre ambassadeur, et on a beaucoup d'ambassadeurs en Afrique hein, qui ont fait l'IHE, mais ils savent très bien, et je le répète, vous voulez réussir en droit, il faut avoir une curiosité intellectuelle, il faut avoir un travail acharné, méthodique, il faut lire. Chaque jour, 3 heures à la maison, je lis, je vais à la bibliothèque. Et on est là, bien sûr, administration et corps enseignant, pour vous offrir le cadre de travail propice pour votre épanouissement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. On a en fait Madame Esma Daboussi. Oui. Une fois que j'ai réussi ma licence, est-ce que je peux passer les concours proposés par l'État? Alors, c'est une très bonne question. Oui, pour la licence en droit privé ou en droit public, vous pouvez passer tous les concours nationaux. Par exemple, je vous cite un exemple, le concours de l'ENA, de l'administration territoriale, les concours, à part le concours de juge et d'avocat, ça c'est traditionnel, parce que quand on fait chez nous en Tunisie le droit, on dit voilà, on va faire juge-avocat, et vous savez maintenant même, je ne cesse de dire à nos étudiants, même pour le concours d'avocat et de juge, c'est devenu serré, hein, parce que on choisit un profil, un étudiant qui a un CV à part le cursus, qui a un CV aussi un peu garni au niveau théorique et pratique. Mais vos deux licences, droit public, droit privé, ça vous permet d'accéder à tous les concours nationaux, que ce soit dans l'administration territoriale, par exemple à l'ENA, ou bien au niveau de certains ministères, par exemple le ministère des Affaires foncières. Ils cherchent des juristes licenciés en droit des affaires ou en droit privé pour justement, par exemple, être juriste d'affaires ou pour tout ce qui est contrats commerciaux. Alors, on a aussi une autre question. Comment faire pour pouvoir faire un master 2 en droit international de l'environnement ou en droit international humanitaire? Alors, monsieur Koulibaly, je vous remercie pour votre question. Comment faire pour pouvoir faire un master, vous parlez d'un master 2, hein, en droit international de l'environnement. Donc, je présume que vous êtes déjà dans un master 1 dans une autre université. Vous pouvez toujours venir vers nous. Moi, je suis à votre disposition. Notre staff administratif également. On peut vous fixer un rendez-vous et j'y répondrai volontiers. Mais je vous dis tout de suite, on va voir l'équivalence. Pour aller en M2, il faut passer par un conseil scientifique, notre conseil scientifique, parce que vous savez, il y a des lois avec la tutelle. Donc, il y a un conseil scientifique. On va voir les matières que vous avez vues ailleurs en M1. Est-ce qu'ils sont suffisants pour vous permettre d'accéder en M2 ou non? Sinon, on verra quels sont le complément de matière. Et vous avez mentionné aussi droit international de l'environnement. Je vous remercie parce que nous, à l'IHET, je vais vous faire un scoop. Généralement, moi, je suis un peu… Je veux passer inaperçu, effacé. Mais là, comme c'est du savoir, il y a une institution… Je vais vous faire un scoop, Monsieur Koulibaly. À partir de l'année prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut, on va proposer, un master spécialité droit de l'environnement à l'IHET. Un nouveau master qui va être spécialisé en droit de l'environnement avec des matières inédites sur le territoire, qui n'existent pas sur le territoire. Je n'ai pas un peu vous dire en plus, mais je suis à vos dispositions si vous voulez prendre un rendez-vous et j'y répondrai volontiers, de vive voix, et je vous verrai, voilà. Oui, Jazia. Oui, il n'y a plus de questions jusque-là. D'accord. Est-ce que je peux reprendre un peu sur le droit, le parcours? Oui, bien sûr. Donc, comme on le disait dès le départ, dans le département droit, nous, on essaye de très modestement de proposer une formation juridique donc globale et pluridisciplinaire, mais quand même avec deux ingrédients nécessaires qui sont la qualité de formation et la rigueur. Pourquoi? Parce que c'est dès la première année, la formation est très importante. Votre bagage
doit être important avec tout un aspect théorique et pratique et la méthodologie. Une fois que vous êtes en deuxième année, on va monter en deuxième étage. Et donc là, vous devez déjà absorber ce qu'il y a comme matière première année pour déjà, vous avez déjà, c'est-à-dire construit votre personnalité, vous avez les bases. Et en troisième année, vous avez déjà le choix de faire public ou privé. Donc nous, on offre deux types de licences, c'est-à-dire une licence en droit, c'est le parcours de la licence, et en troisième année, c'est-à-dire après les deux ans de tronc commun, droit privé, droit public, en troisième année, vous avez le choix, soit vous faites droit privé, licence droit privé, soit vous faites licence droit public. Sachant, je répète, que la licence droit public ou droit privé, ça vous permet de faire le concours, tous les concours nationaux, également le concours de magistrature et le concours d'avocat. La première année de licence et la deuxième année, c'est un tronc commun. Vous avez des matières de droit public et de droit privé, ce qui va renforcer votre formation. Vous allez être ce qu'on appelle dans le jargon à la fois publiciste et privatiste. Et à partir de la troisième année, vous allez choisir droit privé, vous allez être privatiste, droit public, vous allez être publiciste. Sachant les conditions d'accès, automatiquement, il faudra que vous ayez un bac, il y aura un entretien et il y aura un test d'admission. Pour les masters, une fois que vous ayez votre licence, vous avez le droit, bien sûr, priorité pour nos étudiants, de faire le master droit des affaires, chez nous à l'IHET, ou bien faire le master droit humanitaire et droit de l'homme. Par la suite, vous pouvez même, je vais même anticiper, vous pouvez par la suite faire ce qu'on appelle un doctorat, un DBA à IHE Paris, en droit à IHE Paris. Donc, les opportunités existent, mais je répète, ce que très modestement, vous n'aurez pas dans ce qui existe dans la place, dans d'autres universités, c'est que vous aurez des simulations, des plaidoiries orales et des cliniques juridiques. On est les seuls à les faire, parce qu'il y a un savoir-faire et comme ça, on va forger justement la personnalité de l'étudiant. Quand il va sortir, il sentira qu'il a le bagage nécessaire parce que c'est un atout essentiel pour par la suite la vie active. Ensuite, vous pouvez même faire des stages à l'international. Hein. Cette année, par exemple, ceux qui sont sortis en droit international humanitaire et droit de l'homme, on leur a trouvé des stages, par exemple, à l'Organisation mondiale pour l'immigration ou à l'ONU. D'autres aussi, on peut même voir, on a d'ailleurs, entre parenthèses, on a des protocoles scientifiques avec d'autres institutions. Hein. Par exemple, l'Institut diplomatique de Paris. On vient de faire aussi le protocole de coopération avec l'ICANN, le prix Nobel de la paix de 2018. Il offre aussi des possibilités de stage. Et on a même un groupe de chercheurs maghrébins sur les armes nucléaires. Et c'est l'IHET, le département de droit, qui l'avait proposé et qui l'a été accepté. C'est le seul au niveau du Maghreb qui existe à ce niveau. C'est Mahmoud. En fait, on a trois questions. Oui. Celle de M. Koulibaly, en fait, pour continuer. Il est actuellement, j'ai acquis le Master 1 à l'université en Côte d'Ivoire. Donc, comment faire pour faire le Master 2 dans votre établissement? Alors, écoutez, M. Koulibaly, je vous remercie déjà pour votre intérêt au département et à l'IHET. Je vais vous répondre tout de suite. Bien sûr, vous pouvez accéder en M2. Ça dépend quel type de Master vous avez fait dans votre université. Mais je ne peux vous dire c'est oui, ce n'est que sur dossier académique. Pourquoi? Pour voir est-ce que notre formation, les modules qu'on nous propose, c'est un complément ce que vous avez fait, ou le cas échéant, on vous demandera un complément pour que vous fassiez chez nous M2. Bien sûr, le dossier doit passer avec l'aval du conseil scientifique. Ou bien, je vous propose tout carrément refaire chez nous le M1, et faire le M2. Mais il y a possibilité que vous puissiez accéder chez nous M2, mais je répète, à condition que j'ai votre dossier, je vais l'étudier, le présenter au conseil scientifique de l'université pour voir est-ce qu'on peut accorder avec exception, vous allez ajouter des matières complémentaires ou bien vous refaites toute l'année première. Et je vous dis, parce que vous avez manifesté votre intérêt pour le droit international humanitaire et droit de l'homme. C'est intéressant parce que les matières qui existent
sont inédites. Hein. Vous ne trouvez pas ça, même parfois à Paris. Hein. Vous ne trouvez pas des matières comme le droit international des catastrophes naturelles ou le droit pénal international de l'environnement qui est enseigné que dans deux universités américaines. Hein. Oui, Jazia. Oui, alors on a aussi une question de M. Daniel. Après oui. l'obtention du diplôme, licence ou master de l'IHE par un étranger, oui. est-ce qu'il peut passer des concours dans les pays étrangers ou même dans son propre pays d'origine? Mais bien sûr, l'avantage que vous avez à l'IHE, c'est comme je vous l'ai dit, vous ne faites pas que du droit tunisien, en fait du droit comparé. C'est pas un scoop. Le droit tunisien est inspiré, grosso modo, du droit français. Et donc, c'est ça l'erreur qu'on fait pas. Et c'est ça aussi l'élément de distinction par rapport à notre formation au département de droit à l'IHET par rapport à d'autres universités. On se base pas simplement sur du droit tunisien. On fait du droit comparé. Tout automatiquement, tout simplement, parce que le droit tunisien est repris, grosso modo, du droit français. Et donc, on vous offre cette opportunité que vous ayez la vision du droit français, le droit tunisien, bien sûr. Et bien sûr, vous pouvez accéder au concours de votre pays au niveau… Moi, vous savez, on a un étudiant qui est du Gabon, qui a fait le master de droit humanitaire chez nous. Il a assisté à tous les colloques, toutes les simulations. Et il va dans son pays au ministère des Affaires étrangères, et il a été accepté après concours comme jeune diplomate dans son pays, au Gabon. Et cerise sur le gâteau, il trouve l'opportunité ici à l'ambassade du Gabon pour être conseiller culturel. Et actuellement, il est chargé culturel à l'ambassade ici. Et pourtant, il a fait son cursus ici. Oui, Jazia. Alors, une question de Monsieur Loumi Mohamed. Est-ce qu'il y a des oui. possibilités de stage à l'étranger? Bien sûr, il y a des possibilités de stage. C'est une très bonne question. Nous, quand vous faites le master, quand vous faites par la suite votre rapport de stage, passez des rapports de stage, il y a la possibilité, soit vous faites votre stage ici, comme on a aidé beaucoup d'étudiants, ou bien effectivement, on peut vous aider à faire un stage à l'étranger. Par exemple, ça dépend. Votre thème que vous avez choisi, si c'est l'ICAN, par exemple les armes nucléaires, les armes, vous pouvez être recruté comme stagiaire à l'ICAN Paris. On a un protocole d'accord avec eux. Vous passez 3 mois là-bas en tant que stagiaire avec un encadreur, ou bien à l'ONU, ou bien à l'Institut d'études diplomatiques. Il y a possibilité même de vous envoyer avec eux à New York. Vous faites un stage à New York ou bien à Genève. À Genève. Et d'ailleurs, je vous signale que l'année prochaine, puisque cette année, avec le confinement, on n'a pas pu le faire et aussi les étudiants, certains n'ont pas pu avoir dans les délais c'est-à-dire leur visa. Mais l'année prochaine, il y aura un voyage à Genève. Oui, Jazia. Alors, oui, Monsieur Ziyed, quel profil ou quelles sont les compétences attendues pour exercer le métier de juriste? Alors, merci, c'est une bonne question. Quelles sont les compétences attendues pour exercer le métier de juriste? C'est une très bonne question. Pourquoi ça revient, ça m'amène la réponse à ce qui est logique à la base. Dès la première année de la licence en droit, on l'a dit et on le répète, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Il faudra, dès que vous arrivez en première année de licence en droit, ce n'est pas juste être statique, je viens faire le cours et je pars. Il faudra travailler de manière méthodique. Ça veut dire, je viens, je prends le cours, mais je fais un emploi du temps pendant toute la semaine. Je fais une révision à la maison de 3 heures par jour. Je dois travailler 3 heures par jour. Aussi, c'est une des conditions, la curiosité intellectuelle. Il faut lire des ouvrages. Lire des ouvrages chaque semestre, je lis un ouvrage. Semestre 1, semestre 2, je lis un deuxième ouvrage. Je dois aussi élargir mes connaissances, vocabulaire, etc. Avoir un dictionnaire automatique, un dictionnaire juridique franco-arabe ou en arabe et en français. Comme ça, je peux connaître le mot en français, le traduire en arabe, avoir un vocabulaire riche pour faire pour la suite des dissertations. Mais surtout, quelles sont les compétences? C'est ça ce qu'on essaye de faire. Et je l'ai dit plusieurs fois, la dictée ne va pas construire des futurs cadres. La dictée, excusez-moi du terme, va abrutir les gens. On essaie d'inculquer aux étudiants dès la première année et même dans leur cursus ce qu'on appelle l'esprit de synthèse.
la curiosité intellectuelle, faire des résumés, faire des analyses. C'est ça ce qui leur permet par la suite d'acquérir des compétences qui vont pouvoir les mettre au profit des entreprises, des organisations internationales. Et surtout, à part le français, on ne cesse de leur dire, l'anglais aussi, c'est très important. D'essayer de, nous on fait le cursus d'anglais, puisqu'il y a des matières, ils font anglais aussi, informatique, droit de l'homme, mais aussi, pourquoi pas, faire British Council, la Médiste, ou même faire un voyage en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Ça va enrichir aussi les capacités intellectuelles de l'étudiant. Mais je reviens, c'est une question importante parce que les gens pensent venir avoir une licence. Mais nous, c'est ça l'objectif au département de droit à l'IHE. C'est pas vous venez, vous allez vous inscrire. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir des coquilles vides. On va pas former. Nous, ce qui nous intéresse avec rigueur, c'est dès la première année prendre au sérieux les étudiants, mais aussi l'étudiant doit s'investir aussi. On offre le cadre de travail agréable, mais aussi l'étudiant doit aussi être assidu, travailler, lire, faire de la lecture, assister à ses conférences, à ses simulations, débats, pour déjà même son CV, il arrive en troisième année, il est assez déjà étoffé. Et c'est ça maintenant le recrutement et dans le concours, on vous demande, est-ce que vous êtes sociable? Il ne suffit pas de venir statiquement faire les 3 ans de cours. Est-ce que cet étudiant, cette personne est sociable? C'est-à-dire, est-ce qu'il est intégré dans des ONG, dans des clubs? Mais on essaye très modestement de faire quelque chose de qualité, faire des séminaires, des colloques sur des thèmes d'actualité, des choses importantes pour justement permettre à des étudiants d'avoir déjà une idée. Il n'y a pas longtemps, et je remercie de nombreux étudiants de la licence master, Oumey Manela, les autres aussi, ils ont assisté par exemple à la conférence faite à Sciences Po sur les objectifs du développement durable. Et il y avait des étudiants qui m'ont dit, monsieur, merci de cette opportunité. Sciences Po Paris, c'est pas donné à tout le monde pour accéder avec eux. Et on nous fait confiance parce qu'on travaille sur cette question de qualité. Et il m'a dit, c'était intéressant de voir le secrétaire général adjoint de l'ONU de débattre ou le directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Donc, il y a cette opportunité qu'on offre aux étudiants qui leur permettent d'avoir ce déclic et de forger leur personnalité, bien sûr, acquérir leurs compétences essentielles. Jazia, est-ce que je peux revenir sur la question qui vient d'être posée? Oui, j'ai pas vu. Quelle est la charge de travail des étudiants dans le cadre du master? Quelle est la charge de travail des étudiants? Eh bien, c'est intéressant. Les étudiants viennent, ils ne vont pas rester quelque part tranquilles parce qu'ils ont un cursus, 5 matières, volume d'horaire qui dépasse les 40 heures comme dans tous les masters. Ils ont des séminaires, ils préparent des séminaires à l'oral. Ils viennent en classe les étudier, les présenter. Le professeur va les corriger avec un plan de correction, donc il va leur donner la correction, et chaque fois des séminaires, des cliniques juridiques, on leur donne parfois des projets pour qu'ils puissent les préparer, et ils reviennent toujours avec correction. Et d'ailleurs, il y a une chose importante que j'aimerais bien insister, Jazia, c'est qu'on dit aux étudiants, quand on fait, on est en licence, en master, bien sûr, on peut, quand vous êtes en première année de droit à l'IHE ou en deuxième année, comme vous savez, le stage, ce n'est pas obligatoire, mais si vous n'allez pas retourner chez vous, au pays, même pour les nationaux, on peut, avec nos partenaires, vous offrir la possibilité de faire un stage pendant l'été. Ça aussi, c'est une valeur ajoutée. On l'a fait à d'autres étudiants. Par exemple, on a mis des étudiants à la maison de l'exportateur. Ceux qui voudraient faire, on a des étudiants qui sont restés 2 mois pendant l'été, ils ont fait leur stage. Donc, c'est une valeur ajoutée. Nous, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Mais il faudra aussi votre volonté pour réussir. Oui, Jazia. Monsieur Koulibaly qui est revenu, en fait, il a dit que j'ai perdu une année académique. Sinon, c'est en 2018 que j'ai obtenu mon master 1. Est-ce que cela jouera dans l'analyse de mon dossier? Bien sûr, cher monsieur. Vous savez, vous avez employé un mot que j'aimerais bien l'enlever si j'étais vous. Perdu. Rien n'est perdu quand il s'agit du savoir. Vous savez, il y a des gens qui ont 80 ans, ils passent leur bac à Paris. Ils l'ont réussi. Il y a d'autres qui passent leur doctorat à 60 ans.
Donc, quand il s'agit du savoir, rien n'est perdu. C'est un acquis, il faut être positif, c'est un acquis, vous l'avez acquis en 2018, il n'y a pas de problème, vous pouvez, je vous le dis, amicalement accéder chez nous en M2, mais il faudra que je voie votre cursus, c'est-à-dire quelles sont les matières que vous avez eues là-bas. Sinon, moi, je vous conseille amicalement de venir carrément chez nous et faire refaire la première année. Vous allez voir, c'est un autre système, première année, et ensuite, deuxième année. On peut vous trouver pendant votre cursus première année un stage. On peut même aller plus loin pour ceux qu'on a, et nous remercions aussi nos étudiants internationaux qui viennent d'horizons divers, Côte d'Ivoire, Niger, Mali, Sénégal. Donc, tout, on peut aussi, même une fois retourné chez vous pendant l'été, on peut essayer avec nos partenaires et nos connaissances, on peut essayer de vous mettre aussi, même chez vous là-bas, dans un stage ou une institution, le temps que vous ayez cette expérience, et vous revenez, vous faites votre M2. Il n'y a pas de problème. Mais je répète, parce que à M. Koulibaly, moi, je vous conseille amicalement de nous envoyer vos dossiers. Je verrai ce qu'il y a à faire. Je fais une synthèse parce qu'on travaille comme ça, en osmose, en équipe. Je passerai au conseil scientifique. Il me dira quelles sont les matières à compléter. Ou bien, je vous invite carrément à refaire la première année. Et peut-être l'année prochaine, vous serez chanceux parmi les chanceux. Donc, vous serez déjà un de nos étudiants pour, je vous ai dit, le master qui, avec l'aide de Dieu, on va le déposer et on l'aura, Inch'Allah, très modestement, le master environnement. Ça sera quelque chose de nouveau avec des matières inédites. Je ne peux pas vous en parler maintenant sur les matières, mais je vous dis, c'est des matières inédites qui n'existent pas en Tunisie. Et ça sera quelque chose avec l'international aussi. Voilà. Alors, oui, on a une autre question, celle de Madame Ben Arabi. Est-ce que le master droit humanitaire forme utilement les étudiants aux missions internationales dans des contextes difficiles? C'est une très bonne question. Alors, très très bonne question. Pourquoi? Est-ce que justement le master droit humanitaire forme utilement les étudiants aux missions internationales dans le contexte difficile? Ce qui est intéressant, c'est que, pas pratique, mais au niveau théorique. Et pourquoi je vous dis votre question est intéressante? Vous savez, je vais vous le dire avec beaucoup d'humilité, parce que moi je l'ai toujours dit, et on veut réussir en droit, il y a aussi deux choses, même pour le niveau corps enseignant, c'est avoir les pieds sur terre, l'humilité et le respect d'autrui. Et ce n'est qu'avec un travail acharné, méthodique, raisonnement, qu'on peut réussir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre question est utile, bien sûr, dans le master droit international humanitaire et droit de l'homme, on forme le volet théorique qui est important, et je vous dis, on a une matière qui est inédite, qui n'est pas enseignée sur tout le territoire national. C'est ce qu'on appelle, par exemple, le droit d'assistance humanitaire ou le droit international des catastrophes naturelles. Vous pouvez, nos étudiants de master, d'ailleurs, Hajar, dommage, elle a eu, elle est là, ils ont eu tout le volet théorique, comment on va dans une mission humanitaire. C'est-à-dire, dès qu'on est dans une ONG qui va faire une mission humanitaire à l'étranger, des autorisations d'accès, comment ça se passe, comment on peut aider. Tout ça, ça existe dans un module riche qui s'appelle « Droit international des catastrophes naturelles ». Et qu'on essaie d'enrichir, bien sûr, avec des stages, avec la Croix-Rouge internationale, avec… Il y a toujours… on ne fait rien au hasard. Chaque fois qu'on fait matière, il y a un répondant. Par exemple, pour les droits de l'enfant en droit, il y a l'UNICEF, il y a le droit humanitaire, voilà. Mais on les forme déjà sur le plan théorique à tout ce qui est pratique, voilà. Et je vous donne l'exemple concret, l'exemple des catastrophes naturelles, qu'ils ont tout un volet intéressant sur qu'est-ce qu'une mission humanitaire. Parce qu'ensuite, vous savez, sur la pratique, c'est autre chose. Il faut avoir les autorisations du pays, il faut être un groupe, comment fonctionner. Ça, c'est l'état d'accueil qui va le régir. Mais ils ont tout cela. C'est Mahmoud, excusez-moi, mais je vais devoir passer la parole à Oumaïma. C'est à elle de vous proposer les questions. D'accord. D'accord, elle peut accéder. Oui. Oui, oui, Mohamed Ben Amar. Mohamed Ben Amar. Oui, un titulaire. Un titulaire d'une maîtrise en droit peut-il s'inscrire en master en droit des affaires? Je suis. Merci, c'est Mohamed, pour votre intérêt tout d'abord et pour votre présence parmi nous. Je vous remercie.
En fait, je vais répondre. La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas le genre d'induire les étudiants en erreur ou dire les étudiants, venez s'inscrire. Vous savez très bien, il y a, nous, on propose des projets qui sont validés par le ministère de la tutelle, par des commissions spécialisées. Donc, les conditions d'accès pour le master, par exemple, droit des affaires, ce n'est pas pour les gestionnaires, pour des juristes. Par contre, on pourrait, et là, je vais terminer sur le positif, on pourrait peut-être, éventuellement, l'année prochaine, quand on va modifier les conditions d'accès, pourquoi pas, on peut dire, voilà, tout étudiant qui est en droit ou un diplôme équivalent, il peut accéder au master droit des affaires, à condition peut-être de compléter certaines matières. Mais c'est vrai que directement, un gestionnaire en droit, c'est difficile parce qu'il y a des matières qu'il faut faire en première année. Par contre, c'est Mohamed, on peut vous faire une formation, pas diplômante, mais certifiante en droit des affaires. Ça, on peut le faire, c'est-à-dire on vous fait les modules comme une formation professionnelle, il vous aurait une attestation acquise pour pas comme diplôme, mais comme une attestation certifiante qui pourrait bien sûr jouer un rôle important pour une entreprise ou pour un cursus. Oui, au même. La question suivante de Monsieur Koulibaly. Je suis actuellement défenseur de droits de l'homme, car étant le vice-président de la Fédération estudiantine des droits de l'homme du Côte d'Ivoire, section Congo. Eh bien, cher Monsieur Koulibaly, je suis heureux que vous soyez avec nous cet après-midi et j'ai vu vos questions, elles sont intéressantes. Donc moi, je répète, je vous encourage vivement d'oublier toute l'année que vous avez faite. C'est une année, je vous dis, pas perdue d'expérience acquise et je vous conseille vivement de nous rejoindre. Venez faire le master droit humanitaire et droit de l'homme et vous ne serez pas déçus. Tout ce que je vous ai dit, on le fera. On le fera. On le fera. Monsieur, la dernière question de Monsieur Majdicial. Est-ce que le master ouvre potentiellement à d'autres carrières que celle de l'humanitaire de terrain? Bien sûr. C'est Majdi pour être parmi nous cet après-midi et votre intérêt pour aussi votre question. Évidemment, le master ouvre, c'est pas que potentiellement, bien sûr, il ouvre des opportunités à d'autres carrières que celles de l'humanitaire de terrain. Vous savez, vous pouvez, je vous cite deux exemples concrets. Par exemple, avec ce master, être candidat à la Cour pénale internationale. Ils cherchent des juristes en matière, que ce soit francophone ou arabophone, qu'ils ont un master de droit international, humanitaire et droit de l'homme. Vous avez le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève qui cherche des juristes. Vous avez l'ONU avec toutes ses institutions spécialisées ici, elle cherche des spécialistes en droit humanitaire et droit de l'homme pour faire des rapports. Vous avez le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies ici, qui est à Mutuelville, qu'on a déjà fait, déjà ils sont venus chez nous à l'IHET, ils nous ont fait gentiment une conférence sur le rôle du Haut Commissariat aux droits de l'homme et les étudiants, on nous a même donné possibilité de faire stage aussi. Vous pouvez justement avoir ces possibilités en tant que fonctionnaire international. À part les missions humanitaires de terrain, c'est-à-dire vous pouvez être délégué du CICR, vous faites votre candidature, on vous fait un entretien, vous allez à Genève ou ailleurs et ensuite vous serez un délégué international et humanitaire. Mais votre question, je l'ai comprise, à part ça, vous avez la possibilité d'être fonctionnaire international, c'est-à-dire à la Cour pénale internationale, à Genève au Palais des Nations, au système des Nations Unies ici, au Palais ici, au commissariat. Je vous assure que de nombreux étudiants, ces systèmes de l'ONU s'intéressent beaucoup et il y a des demandes sur leur site pour des gens qui sont détenteurs d'un master droit humanitaire et droit de l'homme. Comme aussi pour Omaima, a oublié de le dire parce qu'elle a eu beaucoup de choses à avoir dit. Nous, je ne vous cache pas, eh ben pour le droit des affaires, on a déjà entamé la procédure. L'année prochaine, on fera un protocole de coopération avec l'OADA, l'Organisation d'harmonisation pour le droit des affaires en Afrique. Et aussi, on a des contacts avec la Banque africaine de développement parce qu'ils s'intéressent à certaines choses que nous voulons faire
en droit des affaires. Et d'ailleurs, comme elle a dit, Oumaima, en septembre prochain, Inch'Allah, si Dieu le veut, on fera un séminaire avec eux, quelque chose de nouveau, sur les entreprises multinationales. Oui, Oumaima, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a lu toutes les questions et je vous donne le mot de la fin. Eh bien, voilà, moi je n'ai que tout d'abord à remercier le président de l'IHE, le professeur Slah Alara, pour la confiance qu'il met pour le département droit aussi. Je remercie le service informatique avec Delel et Esma, mes collègues et camarades de l'administration, hein, Rad, Ahlam, Yes, Sana, Ikhlas, parce qu'il faut comprendre que nous, ce qui fait la valeur ajoutée à l'IHET, on est une famille, on travaille en osmose. Donc l'étudiant, quand il vient, il ne va pas être comme ça, perdu en plein paysage, comme ça, vert. Donc chacun, on fait notre boulot en coordination pour justement offrir à l'étudiant le cadre de travail propice pour venir étudier et trouver justement ce qu'il cherche, et on est ici pour l'accompagner sur tous les aspects. Voilà. Donc, je ne peux que remercier tout le monde, mes étudiants pour leur intérêt. On essaye toujours de garder, comme vous l'avez dit, ce dynamisme. C'est pour l'intérêt déjà des étudiants de bien les former. Notre image en tant qu'IHET, parce qu'on aimerait avoir des ambassadeurs, des ambassadrices, et bien sûr, notre cher vœu et notre bonheur, c'est de voir nos propres étudiants, PDG d'une boîte, être au système des Nations Unies. Pourquoi pas un jour, il faut aspirer à tout ce qui est meilleur, peut-être être un secrétaire général de l'ONU ou être un ambassadeur. Voilà, donc je réitère mes remerciements à tout le monde, à mes collègues, et je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, et on est à votre disposition à l'IHET, à Mutuelle. Voilà, mes remerciements à tout le monde, et à très bientôt. Merci pour cette chance, vraiment. Merci tout le monde, merci. Merci. À bientôt, merci.